Bonjour à tous, c'est FaZe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Dark Souls en compagnie de Ravila. Salut. Et bonjour. Ah, ça faisait longtemps, ça me fait plaisir. Effectivement, ça fait quelques vidéos là maintenant. Oh putain, ils ont... Ah tiens d'ailleurs, à ton avis, dans combien de temps je pourrais finir le jeu à cette vitesse? Bonne question, ça dépend comment tu farmes derrière quoi. D'accord. Là je dirais que t'en es à peu près à la moitié. D'accord. Pour mon farming, je pense que je farme bien. J'ai regardé, je suis à 36 heures de jeu. 36 heures de jeu. Ouais, je serais tenté de dire la moitié, il te reste comme on en avait discuté et tu l'avais vu avec d'autres vidéos, donc la forêt aussi. Mmh. Là-bas tu auras quelques boss, sans vouloir en dire plus. À Norlondo déjà là tu vas obtenir un artefact qui va être très utile par la suite. Tu verras quand tu y seras, mais je pense que tu seras très content de l'avoir. Ouais. Quelle zone il te manque? Il te manquera donc tout ce qui est les catacombes. L'arbre. L'arbre. Ouais, mais l'arbre en fait c'est une zone optionnelle, bien qu'elle soit super jolie. Franchement cette zone elle est juste magnifique. Ce qu'il y a après l'arbre je pense. Hein. D'accord. Mais à part ça. Qu'est-ce Petite qu'il manque? news au passage, j'ai trouvé le passe-partout. Enfin, je l'ai acheté. Il l'a trouvé. Verrouillé. Il est Eh? tombé du camion. Sérieux? Bon, t'inquiète, pas grave, je vais t'indiquer où est la clé. Remonte. Mais c'est Attends. bizarre, je pensais que le passe-partout suffisait celui-là, tiens. Verrouillé aussi. Bah lol. Bon, bah, tant pis. T'es sûr que tu l'as pris? Regarde tes clés. T'as perdu ton trousseau de clés? J'ai l'impression. Il est passé où ce compte de passe-partout? Ah, je l'ai même pas payé! Ah, j'en étais sûr. Bon ben voilà, tu sais pourquoi. Bref, c'est pas grave, comme ça tu vas pouvoir avoir l'immense joie de trouver toi-même la vraie clé pour cette porte. Ok. Donc, remonte, hein. Ouais. Ni plus ni Pas moins. trop le choix. Ah, au fait, une petite astuce. Et tu as le son quand tu joues ou pas, au fait? Oui, je sais. Alors, quand des fois tu entends un grincement, c'est que le mécanisme des boulets tourne. Oui, il se remet en place. Et je pense que ça va t'arriver là maintenant. C'est bon, c'est fait. Voilà. Je viens de l'entendre. Je l'entends. Donc tu te souviens de ce que je t'ai dit pour à la droite? Tu vas pouvoir l'essayer en live, ça te tente? gauche ou droite? Là, à gauche, dès que tu vois un pilier tomber, voilà. Ah, t'es tenté jusqu'au bout, pourquoi pas. Quand tu vois un pilier tomber... C'est pas grave, mais bon, t'es passé un peu barbare, mais t'es passé. Bah, fais tourner le mécanisme, comme ça tu y auras accès. Ouais, parce que j'aurai besoin des quelques fioles qui me restent. Ah mince, c'est vrai que t'en as que 4 en plus. Enfin, plus que 3 en fait. Donc, je disais, normalement... celui-là. Eh oui, celui-là. Donc là, attends, ouais. Plus haut, voilà. Bah, si on regarde en dessous, tu verras, t'as une plateforme. Tu peux pas te louper. Bonjour serpent. Voilà, bonjour serpent. Là, t'as deux passages, il y en a un, c'est un cul-de-sac, et l'autre... Va à gauche, normalement. Donc là, maintenant, à droite. Ah, si tu bouges, je vais avoir du mal. L'autre côté. C'est ça. Donc là, tu obtiens normalement, je crois que t'as une magie et un vêtement de magicien, si je ne dis pas de conneries. Ah oui, c'était fermé, je pouvais pas y aller. Ouais, mais tu vas pouvoir l'ouvrir. C'est ça, sorcier noir et sorcellerie de discrétion. Yeah. Ouais, c'est ça, j'ai bonne mémoire. Bravo, bravo. Tu peux ouvrir la porte. Ah oui, elle s'ouvre de ce côté, c'est vrai. C'est ça. Enfin, si je me trompe pas, mais normalement c'est ça. Voilà. Donc, non, c'est complètement con, tu mets la main à travers les barreaux et puis tu ouvres de l'autre côté. Ouais, bon, tu comprends. Déjà, ils montent une échelle super vite par rapport à Demon's Souls, alors on peut pas tout avoir. Demon's Souls qui est l'ancien jeu pour info. Ah bah nickel, il va falloir que tu passes par là aussi. Si tu non. vas découvrir. Par contre, tu vas pas du tout aimer. Oui, mais j'aime déjà pas. D'accord, mais par contre tu vas obtenir un bel anneau. Tombe pas, je sais non, pas où tu vas. Non, je suis pas tombé. Fais gaffe aussi, tu vas te faire attaquer ouais, par des serpent. Serpents malveillants. Ouais, je vois. D'ailleurs, il est sur le point de se casser la gueule, ce con. Oui, bah, de toute façon, il montera pas. Là. Ah, là où il est, il fera que tomber. Donc voilà le bel anneau dont je parlais. Oh. Qui est un anneau qui t'évite les bruits de pas. Quand tu es en multijoueur, c'est assez fun en fait. Et même en solo, d'ailleurs, les bruits de pas sont comptabilisés, donc c'est pas mal. J'ai trouvé cet anneau aussi. Oui. Le sacrificiel? Non, dragonique de sommeil. Non, oui, ça c'est celui que je viens de trouver. Mais j'avais trouvé le sacrificiel tout à l'heure. Quand il meurt, son porteur ne subit aucune perte. Ah, d'accord. Par contre, fais gaffe, ça ne prend pas en compte les malédictions.
Donc, eh ben, tu te souviens de la zone où tu n'avances pas? Eh ben, tu y es. Si je Donc tombe pour là, ça le descendre. fait, non? Ah oui, bien vu. Mince, c'est pas drôle. Par contre, évite la l'horloge. Ouais, c'est bon. Ah, t'as cru que t'allais m'avoir. Et je pense qu'il était mort. Non, je parle pas du serpent, je parlais de toi. Vouloir me Oh, faire tomber avec les démons de Titanite là. je t'aurai à d'autres reprises, t'inquiète pas. Ah putain, ça craint. Mais Est-ce que je non, préfère avoir le jeu tout seul en compagnie ou. à toi de me le dire. Ah, au fait, t'es déjà descendu par là? Ouais, il y avait un serpent, mais je sais plus ce que j'ai. Doucement, doucement, doucement. Non, je pensais surtout au chevalier d'oignon. Est-ce que tu l'as vu? Non. T'es sérieux? Mince. Wow. C'était pas prévu que vous soyez deux, les mecs. Savais pas que c'était des grands courageux. Ah, je vous ai tués tous les deux. Est-ce que le chevalier ou non est encore actif ou est-ce qu'il s'est barré? Il s'est barré. Et du coup, t'as pas récupéré ce qu'il y a au-dessus aussi. Là, tu vas pouvoir te retaper le chemin. Quelle vente. Ouais. Alors normalement, ici, Il y avait un truc bien. il n'y avait pas un truc bien. Il y avait le chevalier oignon. Je sais pas si tu l'as vu, t'as dû le voir au moins une fois. Si, bah, Quand tu... celui Ouais. qui attendait devant la porte. Exactement. Ben, tu le retrouves ici, en fait, il te dit qu'il est coincé parce qu'il n'arrive pas à passer avec les boulets. Tu vas le retrouver tout au long de l'histoire, enfin plus maintenant parce que du coup t'as loupé le coche, mais si tu lui avais parlé à ce moment-là, tu l'aurais retrouvé tout au long de l'histoire. Et en fait il y a toute une histoire autour de lui, c'est assez sympathique. Pour info, je n'entends pas tes bruitages, donc je sais pas si les boulets Il y en a un qui me suit. D'accord. Fuite, fuite, cours. Ah, pour information, quand tu tombes d'une hauteur assez élevée, Conséquent. Tu appuies comme un malade sur la touche de rouler et du coup tu n'auras pas l'animation donc de chute. Tu vas rouler tout de suite en atterrissant. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est surtout très pratique. Bon, plus que deux fioles. Bon, ah, t'inquiète, je vais t'amener au feu de toute façon donc dans tous les sens du terme. Sympa. Pas au jeu maintenant. D'enfer. Alors. Alors ça c'est un j'ai réussi à tous les coups. Ah oui, c'est pas mal ça. Bon bah t'as plus qu'à remonter, hein. De toute façon tu sais où aller, il faut aller là où il balançait les boulets de canon jusqu'à maintenant. T'as pas peur toi, hein. Eh, je suis passé sans dégâts. Oui, ce que je dis, t'as pas peur. Les yeux fermés, c'est bon, ça passe. Bon, est-ce que tu vas nous la refaire ou pas? Yes! Ah, c'est bon. Bon, y'a l'autre serpent. Pourquoi t'es revenu, toi? Tu vas pas, ils t'accueillent à bras ouverts. Ouais, oui. Wow! Je sais pas apprécier l'hospitalité dont ils font part. Ouais. J'ai vraiment un problème avec les serpents. Tu préfères les araignées? Yes! Les araignées? Ouais. T'es sûr? Et quelles araignées tu parles? Ouais, tu l'as déjà tué toute l'araignée de toute façon. Eh bah oui, donc je préfère, je suis sûr. D'ailleurs, au passage, une des raisons pour laquelle tu pètes un câble régulièrement avec les backstabs, c'est qu'en fait, tu ne peux exécuter un backstab que lorsque la bestiole n'est pas en pleine animation. Donc si elle est en animation de récupération après un coup, si elle est en animation de coup, enfin, si, quelle qu'elle soit, le seul moyen de faire un backstab, c'est qu'elle ne soit en état de pause, littéralement. D'accord. Oui, je l'ai complètement ignoré l'autre. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc monte là. D'ailleurs, Donc comment on je va le vais voir, juste te lui, dire. là? Pas la peine? De toute façon, ça vaut pas le coup parce qu'il réapparaît quand tu le tues. Mais je m'étais dit la fois où je l'avais tué. Ouais, super, il lâchera plus de boulet en fait, que dalle. Stop! Je te dis, visite cette plateforme et dis-moi si tu vois un feu quelque part. Feu droit devant. Il faut avoir confiance hein, quand même. Hein. Le saut de la foi. Putain. Ça me à la Assassin's Creed. Ouais. Yes! Mais c'est pas grave, t'as le créneau de Dark Souls. Par contre, j'en ai plus que 5 maintenant. Et celui-là, ça sert à rien de l'allumer.
Ça sert toujours en New Game Plus, mais franchement, tu meurs tellement de fois avant d'y arriver que finalement il sert plus à grand chose lui. Surtout que le boss n'est pas trop difficile non plus. Ok, c'est bon. Ah putain, oui, le feu, fallait le voir. Bah en fait tu le vois pas en fait, c'est là le problème. Et comme du coup il y avait l'autre enfoiré qui lançait des boulets de feu là, j'ai jamais pensé à les lire. Soit tu connais, soit tu passes à C'est travers. ça. Ah bah du coup tu vas pouvoir continuer là. Plutôt que d'aller à gauche, en Tout montant. droit? C'est vrai, ouais, bingo. Ah, mais j'y suis allé. Tu y es déjà allé? Ah d'accord, ça doit être dans la vidéo 31 alors. Je l'ai pas vu. Ouais. Bah en fait, T'as tué le mec fantôme là, enfin fantôme non. T'as tué le mec qui te lâche son arme. Arme gauche de Baldur, je crois que ça s'appelle en tous les cas. Ouais, je l'ai. Bon bah voilà. Je l'ai. T'es bon pour aller à Norlondo. Et à gauche, là, il y a des choses intéressantes ou pas? Un marchand. Il faut courir et sauter pour passer. Hein. Je te la fais pas en. J'avais déjà essayé en fait et j'ai pas réussi. Et pourtant. C'est les sauts au pixel, ça? Non. C'est des sauts millimétrés, c'est tout. Les sauts au pixel. Ah, attends, mais du coup, est-ce que moi j'ai pas oublié de te faire faire un truc? Si, le mage, elle est où la Oui, clé? non, mais non, t'inquiète, continue. J'ai pas oublié. D'accord. Par contre, j'essaie juste de réfléchir où est-ce qu'il est. Soit il faudra que tu reviennes parce que c'était dans cette tour-là, soit c'est dans la tour d'après, mais il me semble que c'est bel et bien dans la tour d'après. Et du coup, j'ai un doute. Non, ça doit être ça. Bon, c'est bien ce qui me semblait jouer one shot maintenant, les Baldur. C'est pas un balder ça, hein. C'est un balder spécial. Ouais, c'est un balder quand même. Alors, donc là tu vas. Non, à droite. Ouais. Et c'est ça. Oui, mais excuse-moi, j'ai un décalage. Ouais. Le lag. Mais rien Donc, là-dedans. trouve un escalier en bas. Non? Bon, bah du coup, c'était la tour avant. Eh mince. Donc, tu vas pouvoir avoir la chance de retourner sur tes pas. Désolé. Pas grave. En espérant juste que ce soit la première tour. Parce qu'il y a encore deux tours en fait derrière. Et non, ce ne sont pas les deux tours. Trop de références là, attention. Trop de références, tue la référence. Ce que j'allais dire. Parce que, en fait, soit c'est la tour qui est au fond. Non, mais je pense que c'est celle du marchand. Ouh, j'ai pas peur, moi, tiens. Oui, effectivement. Et sache d'ailleurs que la clé que tu récupéreras te permettra de déverrouiller ce raccourci-là. Qui pour toi te paraît encore bien obscur. C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il faudra monter dans la prison. Monter dans la prison, Ouais, dans la c'est-à-dire. cellule. Oui. Génial, vive la sincère. Oui. Faut avoir confiance, c'est tout. Tu as confiance. Oui. Et confiance. C'est l'hymne de ce jeu. Oui, de toute façon, il y a les serpents qui te le faisaient déjà depuis tout à l'heure, donc c'est pas Ouais. grave. Attention, où ça passe. Donc, dans le pire des cas, tu auras vu le marchand. Voilà, Ah, et il est sympa. effectivement, tu as bien What? le. Tu auras la clé en bas. Ah, another undead. But I'm no different from the. Ah, you think you're different? That you can have. Yes, I remember that feeling. J'aime bien les doublages. So, let me. Ah, bah ça. Que vends-tu? Ouais. Ouais, des grandes titanites vertes, j'en ai déjà pas mal. J'en possède 52, ouais. Oh, comment tu as fait pour en avoir 52? J'ai farmé la grande titanite, alors j'ai eu des grandes titanites vertes avec. Oh la vache! Ah oui, d'accord, t'as dû pas Ah, mal farmer quand même. à 36 heures de jeu, j'ai eu le temps de farmer. Ah Ouais, bah tiens, d'accord. armure du chevalier oignon. C'est une très bonne armure au passage. Elle est vraiment très laide, mais c'est une très bonne armure. Trop lourde pour moi, je pense. Oui, c'est une armure lourde. Chevalier du tornerre, chevalier de la sorcellerie. Qu'est-ce que ça fait ça? La foudre améliore la résistance. D'accord. Ouais, Nothing at déjà all. que je peux Why porter que not? deux bagues, I've seen an je vais undead. rester sur celle que je C'est suis. dommage d'ailleurs parce que techniquement on a 10 doigts. Ouais. Mais bon, vu la taille des bagues, tu peux en mettre que 3 à dire à chaque main. C'est qu'un détail. Mais 3 à chaque main, c'est déjà mieux que 2 au total. C'est vrai. C'est dommage qu'on les voit pas sur un autre perso, les bagues. Et on peut pas tout avoir. Hein. Donc là, effectivement, tu trouveras le fameux ennemi juste devant la clé.
Toujours à bras ouverts. Fais gaffe, hein, elles ont une shop mine de rien. Ouais, j'essaie. Et elles te crachent à la gueule aussi. Ouais, ça c'est quoi, hein. C'est pas toujours dans la rue comme ça? Tu vois pas des gens qui te crachent à la gueule? Non, excuse-moi, non. Sur ah, Paris, c'est que moi, mince alors. Les gens sont assez cons sur Paris, mais ça va. Ils te crachent pas à la gueule encore. Tu sais que tu viens de perdre ton audimat parisien là. Ouais, je sais, mais je suis parisien, donc du coup, c'est de l'autodérision, ça passe. Bon, c'est vrai, ça passe mieux comme ça. Ça aurait moins bien passé si c'était moi qui l'avais dit. Je pense. Même mon Konoaki s'est déjà fait des ennemis, donc. Ah, j'ai loupé un bon passage alors, je pense. Ouais. Mais c'était dans Assassin's Creed. Je sais pas où tu vas par contre. Oui, effectivement. Bah si, voir le magicien. Ah oui, excuse-moi, oui. Ah mais attends, non, tu vas faire demi-tour. Ah, parce que oui, tu vas voir le magicien, mais tu vas pouvoir employer le raccourci. Ah, c'est magique. C'est pas magique, ça s'appelle une cage qui tient l'ascenseur. Tout en courant. Et il se cassait la gueule. J'ai t'as confiance, hein. Comme ça, hein. J'ai peur de tomber en montant, en fait. Oui, je compatis. Je vais où, là, comme ça? Au début. Waouh, waouh. Bonjour. Comment tu vas? Toujours bien accueilli, lui il est fidèle au poste, il t'a attendu de toute façon. Aïe. Oh oh. Ah oui. Ah oui. Non. Non, non, ça c'est pas parade. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ah ah. Pardon. Ah ben voilà. T'as vu, il t'a montré par où passer. Oui, mais je le suivrai pas. Ah, petit joueur. Putain, on est obligé de se retaper toutes les lames. Non, parce que t'as juste besoin d'aller voir le magicien. Après, tu peux reprendre l'ascenseur. C'était chaud, ça. Voilà, il est bien fauché la gueule comme il faut. Ça ne s'invente pas. Est-ce que le mur... Ah, est lui, il est beau. C'est parfait. Ouais, et lui, il a appuyé sur rien. Écoute, hein, on a la classe ou on l'a pas, hein. Aïe. D'ailleurs, apparemment, il a pas aimé ta remarque. Hein. Ouais, j'ai dit ça. Bah écoute, il n'y a qu'à faire des efforts de texture. Et ces cages-là, elles font pas ascenseur aussi, moi? Non. Non, par contre, si tu veux, tu peux tomber voir les démons. Non. Oh, heavens. Thank you. I'm saved. And I'd love to resume my travels. But I must log a few things first. And I owe you a favor. I will return to Firelink Shrine. Speak with me there. Ok. J'aimerais bien, moi, faire... comment ça s'appelle? La partie des enfers, là, aussi. Ah, il y a ça aussi à faire. Des enfers... Ouais, après... après qu'il lag. Ah. Non, non, tu regretteras tes paroles. D'accord. Tu as envie de la faire maintenant, mais quand tu sers devant, tu as envie de faire demi-tour. Parce que j'ai souvenir qu'il y avait un truc intéressant à récupérer là-bas. Bah déjà, devant le boss... Bah je crois que c'est le boss qu'il faut que je tue, et j'ai peut-être besoin de son âme pour me faire une arme, ou je sais plus. Alors, à quelle arme tu penses? Quel boss? Ça tu le sais pas, par contre, t'as une idée de l'arme ou pas du tout? Je sais plus. Est-ce que c'était un katana? Est-ce que c'était... Alors le katana c'est l'araignée, t'as déjà tout ce que tu veux pour le faire. Ouais. Oh merde. Le katana, je te le déconseille. Ah bah tu vois que t'as fini par y aller, bon pas entier mais... Je vais y aller par contre parce que je veux mes âmes. Ah oui, oui mais elles sont en haut, donc fais pas comme la dernière fois. Ouais. Oui. Elles ne sont pas en bas, elles sont 10 secondes avant. Ah oui, en plus t'es à perpète du coup. Oh. Je suis pas perpète, hein. Oh, c'est pas mal quand même. Hein. Tu vas passer par là? Ouais. Ouais. Alors comme ça, je arriverai dans le dos. Ouais. Mais c'est... Je veux dire, tu veux repasser par les faux et tout? Les faux? Tu prends pas l'ascenseur? Bah, l'ascenseur est loin. C'est moins loin à mon avis que se taper toutes les faux. Et moins dangereux aussi.
Moins dangereux, c'est sûr. Est-ce que c'est moins loin? Je pense pas. Regarde tout le chemin que je dois me taper. Ouais, en courant, ça passe. Ouais. C'est moins dangereux. C'est moins dangereux. Mais c'est, de toute façon, si tu meurs avant, ce sera un gain de temps au final. Ouais, si je meurs avant, ça sert à rien que j'y aille. C'est ça, c'est l'idée. Bon, limite, n'y va pas. Mais j'ai quoi d'autre à faire maintenant à part aller à Norlondo? Déjà à Norlondo. Ici, t'as rien d'autre maintenant. T'as fait le nécessaire. Mais du coup, les deux ascenseurs seront. Ah non. Les deux ascenseurs se relaient. L'autre va monter quand celui-là va descendre. Toujours là. Oh oh. Non, mais log pas l'autre qui est là-haut. Je m'en fous. C'est ce qu'on appelle cage à lapin. Ah oui, elle est pas mal celle-là. Tiens, je t'avais dit c'était une mauvaise idée. Ah oui. Mais remarque, vois le bon côté des choses. Tu as une deuxième chance et tu es vivant en plus. Oh la vache. C'est une jolie trappe quand même. Hein. Mmh. Elle me plaît pas par contre. Mais Ah bah lui il est plus là. Il est tombé, il t'a suivi. Il est monté avec l'autre ascenseur, je suis sûr. Elle serait pas mal celle-là. C'est marrant. De toute façon, tu le verras pas hein, parce que pour peu qu'il reprenne l'autre, il va redescendre quand tu vas remonter. C'est un peu alambiqué quand même. Ah ouais. Bon, on aime le risque ou on l'aime pas. Hein. Ah ouais, effectivement, ça s'invente pas. Aïe! Oh l'enfoiré, elle a marché sur le piège. Mais sinon, c'est moi. Je crois que tu t'es pris des flèches là, je crois. Ouais, je crois. C'est encore dessus. Tu peux regarder à droite directement, tu peux tomber directement sur la passerelle. Ah, ouais, du coup. Mes pauvres omoplates. Vite l'ascenseur. J'ai entendu les serpents, ça me plaît pas. Ok, donc on a fait un petit tour de la zone, pas complet, parce qu'à mon avis, il y a encore plein de trucs à voir. Oh, la zone, il te manquera juste en bas. Hein. Franchement, t'as pas grand chose de plus maintenant derrière. Il y avait une âme aussi, non? L'âme à laquelle tu. Est-ce que c'est une âme? C'est quand tu rentres tout de suite à gauche en hauteur. Ah oui, après. Bah oui, mais ça, tu le verras, ça fait partie de la zone du bas en fait. Pour remonter, t'as pas d'autre choix que de tomber dessus. D'accord. Mais effectivement, à Norlondo, tu vas t'amuser. Notamment, en fait, ce serait bien que tu vois que tu ailles devant donc la fameuse gargouille, que tu puisses que je puisse te guider un petit peu parce que en fait, c'est pas un cul-de-sac. D'accord. Là, tu peux passer la cinématique. Ouais, je sais, j'appuie sur start. Hop. Ah oui, je gagne ça. Des fois, je gagne des âmes. Moi, je me pose des questions. Et j'ai trouvé un bug dans le jeu d'ailleurs. Dans le tronc d'arbre, bon. Ça vaut pas grand chose en allant tuer les monstres qui sont là, mais tu peux te faire 400 âmes à l'infini, gratos. Tu rentres dans le tronc d'arbre, tu vas jusqu'au feu. Quand t'arrives au feu, en fait, t'as un gain de 400 âmes. Donc tu ressors et tu rentres et tu fais ça et tu regagnes 400 âmes. Ouais, c'est des ennemis qui se suicident. Ouais, à chaque fois. À chaque fois. Bah oui, les mêmes, ils réapparaissent. Pourquoi t'es violent, toi, aujourd'hui? Il a pris du Mars. Oh, c'est pas vrai ça, il va me buter. Non mais non. Je voudrais dire bonjour à la gardienne du feu. Ouais, je commence à avoir des petites esquives sympas. Je commence à m'y habituer. Bon, eux n'essaient pas de les parer pour information. Ouais, non, c'est rien. C'est pour ça d'habitude je mets le bouclier dans le dos, mais là j'ai zappé. Ah bah le bouclier dans le dos non, parce que tu peux quand même les bloquer quoi. Ouais. Mais bon, si tu joues de l'esquive, ça, il te sert à rien, bouclier. Oui, oui, faut juste avoir confiance. J'ai confiance. Contre eux, j'ai confiance. Bon, alors... Ah bah tiens, attends, d'ailleurs. J'ai 2700 âmes, là, je suis pas retourné les chercher. 2500, tu veux dire. Ouais, pardon. Je suis pas retourné les chercher pour rien. On va les utiliser. J'ai un niveau à monter. Endurance. Juste un niveau. 32, endurance, 27. T'as suffisamment pour équiper la lance de foudre ou pas? Ah oui, bah je l'utilise déjà. Tu l'as essayé? Ouais. Convaincu ou pas? Ouais, bah elle me plaît bien moi. Bah non, elle fait super mal surtout. Disons que ma faux fait plus de dégâts, mais ouais.
C'est parce que tu l'as monté plus 10 aussi quand même. Ah ouais. Ah attends, je me suis cassé le cul pour aller la chercher. Pour information, l'endurance à 40, au-dessus de 40, ça ne te servira beaucoup moins de la monter. C'est ce que j'ai entendu, ouais. Bah, c'est surtout jusqu'à qu'à 40, en 40. fait, ça n'augmente plus que Non. ta charge d'équipement, pas l'endurance. C'est la Là, limite. c'est 40 un peu pour tout, je crois, non? Non, 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 non. C'est 40 juste pour l'endurance, le reste augmente continuellement, heureusement. D'accord. Donc. Et d'ailleurs, comment je me donne des cases de sort? Avec la. La foi? Le. Non, c'est quoi déjà? C'est pas la vitalité. Mince, c'est quoi cette carac? Ah, je l'ai perdu. Tu peux jeter un coup d'œil 2 secondes à tes caracs? Merci, c'est la volonté. Quand t'arriveras à 10, t'auras un slow. D'accord. Ah, c'est la volonté. Parce que Oui, t'as de la je voulais volonté. essayer la pyromancie, mais... Il en faut de la volonté pour lancer un sort. Attends, tu t'imagines pas, hein? Pourquoi il y a autant de marques ici? Oh là, il y a des gens qui sont passés. Parce Passage. qu'il y a énormément de duels ici. D'accord. Essayer postérieur. Humanité requis. Ouais, ça, je suis venu en étant humain, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Mais putain, ils sont À sur part la raquette. à te Piège. faire envahir, en fait. D'accord. Bon, alors, demi-tour. Alors, juste, je suppose que tu veux pas que je te guide littéralement, quand même, je pense. Non, ouais. Donc, ce Ah que je peux te putain. dire, c'est. C'est Qu'est-ce bon, qu'il j'ai y vu. a? Oh la Donc. vacherie. Aïe. Heureusement qu'il y en a qui posent des marques rouges, tiens. T'as récupéré le coffre, au Ouais, fait? je suis allé chercher, je suis allé chercher. Alors là, tu vas t'amuser. Parce que je suppose qu'il Sûr. faut pas glisser en plus. Il faut pas glisser, je te confirme. C'est une bonne idée de pas glisser. Non, mais je Mais suppose c'est que surtout, en c'est... fait, le prochain passage, tu vas l'apprécier, je pense. Ouais. Ouais. Tu risques de bien t'en sortir, mais tu risques aussi de péter un câble. Ouais, t'as pas peur, toi, hein? Wow. Ah ouais. Aventurier du risque, bonjour. Ouais, attention, soldat droit devant. Embuscade. Non mais oh. Ah, tu les Oh, il watch. était faible. Effectivement, je suis presque dessus. Vas-y, approche. Non mais oh. Ah ouais, D'accord. je suis sans Ouais. pitié. Bon, ça va, je vais me rassasier avec la phase juste après, c'est pas Salaud. grave. Bon, par contre, Tu vas comprendre. faut que j'aille où? Bah justement, c'est ouvre les yeux. Bah ouais, mais je vois une âme là-bas, Attends, mais... hop, à droite. Une échelle, là? Ah ouais. Effectivement, les âmes, tu les auras un tout petit peu plus tard. Et alors là, je te présente l'opération Funambule. Avec des statues au-dessus. Non, les statues t'embêteront pas. Oui, bah oui. Du coup, oui. Parce que s'il y a un coup de faux, ça les tue. Ah, mais tu parlais d'eux en statues, c'est pas des statues. Si, c'est des soldats là. Ouais, mais c'est pas des statues. Ouais, c'est pareil. On dirait des statues, ils sont tout blancs. Ils bougent bien quand même pour les statues. Ouais, ils sont pâles comme des culs aussi. Sauté dans le vide, je l'ai fauché avant. Franchement, je me marre si tu le suis quand même. Tu m'excuseras, Je t'en voudrais pas. mais. Ce passage va Avancez. être très long, soyez patients, mesdames et Non, messieurs. il est court tant que tu te plantes pas. Attends. Attends 2 secondes. Non, je descends pas. Non, je te parle pas de descendre. Par contre, réfléchis 2 secondes. Tu as un lustre, tu as un objet sur le lustre et tu ne peux pas atteindre le lustre. Que vas-tu faire?